Happy Thanksgiving! Et oui, Thanksgiving, c'est jeudi. Aujourd'hui, on va voir 7 mots en rapport avec Thanksgiving qui vont aussi t'aider à développer ton vocabulaire. Mais avant qu'on en parle, tu peux t'abonner ici à cette chaîne YouTube et surtout rejoindre la conférence gratuite que j'organise pour tous les francophones qui désirent tenir une conversation simple en anglais ou qui désirent améliorer la fluidité de leur anglais et améliorer le vocabulaire en anglais. Donc si ça te parle, si tu désires et tu souhaites réellement atteindre ces objectifs, et bah dans le lien, dans la description, tu as un lien, tu cliques dessus et tu auras toutes les informations sur le lieu, l'heure, la date. C'est une conférence en ligne, elle est gratuite et elle est faite pour tous les francophones qui veulent atteindre ces objectifs. Hi, I'm Derek, your online English teacher who is Scottish. Et oui, Happy Thanksgiving, je suis super content de te le souhaiter en vrai. Thanksgiving, alors c'est quoi? Qu'est-ce que c'est Thanksgiving? Bien sûr, ça se fête aux États-Unis, en Amérique forcément. C'est un public day ou a bank holiday. Donc, a public day, c'est la version américaine. A bank holiday, c'est la version britannique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un jour férié. C'est un jour férié. C'est un jour férié où, donc forcément, on ne travaille pas. C'est un jour férié. Et Thanksgiving, en fait, c'est un jour férié de reconnaissance. Un jour férié de reconnaissance. Dans Thanksgiving, on reconnaît thanks, qui veut dire merci. Et on reconnaît giving, qui est de nature de give, qui veut dire donner. On remercie d'avoir donné. Alors, dans la tradition américaine, on remercie Dieu d'avoir donné la nourriture, la famille, tout ce dont on possède. On remercie aussi les Indiens de nous avoir accueillis. Bon, on sait très bien que politiquement, ça n'a pas du tout été propre ce qui s'est passé. Bon, ça c'est un autre débat. Toujours est-il que c'est un jour quand même de reconnaissance, où on se tourne vers les autres, on se tourne vers Dieu, on remercie. Et c'est une journée spéciale à ce niveau-là. C'est le 4e jeudi du mois de novembre, c'est-à-dire que la date bouge tout le temps, la date bouge chaque année. Ce n'est pas comme le 25 décembre où c'est toujours un 25. Là, c'est le 4e jeudi du mois, donc cette année, ça tombe le 22 novembre. 22nd of November. 22nd of November, donc ça tombe toujours le 4e jeudi du mois de novembre, et forcément c'est un long week-end férié. Il y a donc le vendredi aussi qui saute, et ça laisse 4 jours de festivité. A turkey, c'est la dinde, c'est le plat, un des plats phares, clé de la journée Thanksgiving. A turkey, à ne pas confondre avec Turkey majuscule, c'est la Turquie, donc rien à voir. Turkey, ça c'est la Turquie, donc là c'est bien a turkey avec un T minuscule, et c'est bien la dinde. Donc oui, la dinde est spéciale, et je sais que pour beaucoup de Français ou francophones, Thanksgiving, est-ce que c'est Noël? Ben non, c'est pas Noël, parce que c'est au mois de novembre, et la dinde rentre en jeu. Et nous, qu'est-ce que... Alors nous, en général, les Français, les francophones, on mange souvent une dinde, d'ailleurs pas qu'en France, hein, le jour de Noël, donc ça prête à confusion, de dire mais Thanksgiving c'est quoi? Thanksgiving c'est quoi? Donc ça se passe bien au mois de novembre, et c'est bien avec une dinde, oui, comme nous le 25 décembre. Cependant, ce n'est pas du tout la même chose, Thanksgiving et Noël, c'est pas du tout la même chose. Nous, si à Noël, c'est vrai qu'on est reconnaissant. Donc oui, la dinde, il y a beaucoup d'autres plats qui sont apportés à la table de Thanksgiving. Pecan pie, sweet potato pie, il y a énormément de choses. Stuffing, encore plein d'autres plats. Toujours est-il que celui qui remporte la médaille d'or, c'est quand même la dinde. Ensuite, a family gathering. Family, c'est famille. Là, ici, c'est un adjectif. Donc, c'est gathering, la réunion familiale. Oui, c'est une réunion familiale extrêmement importante. Je pense que personne n'est seul le jour de Thanksgiving aux États-Unis, mais absolument personne. C'est dingue l'engouement qu'il y a autour de cette fête. Je l'ai déjà fêté donc à Lyon avec ma belle famille, et c'est un moment très fort.
très très fort. On l'a fêté cette année beaucoup plus tôt. Cette année, on l'a fêté début novembre, parce que le 22 novembre, cette vidéo, normalement, elle va être relâchée, ça ne veut rien dire. Elle va être publiée, voilà, c'est ça le mot, le mercredi. Donc, et le jeudi, nous ne serons pas avec des Américains, donc on l'a fait plus tôt, mais c'est toujours est-il, c'est une réunion familiale très forte. Family gathering. Sixième mot, food, la nourriture. Alors, c'est un autre élément très important de Thanksgiving, food. Bah oui, parce que, en gros, Thanksgiving, tu manges de midi à 18h, le repas du midi. De midi à 18h, c'est vraiment un temps où on se, entre guillemets, pète le bide. C'est extrêmement... à la fin, voilà comment vous vous sentez. Stuffed. C'est la version familière de « je suis repu ». Je suis plein. Stuffed. On est vraiment plein. On a plein de ventre. Food. Et dernièrement, forcément, c'est un mot qu'il faut amener aujourd'hui. God. Dieu. Parce que dans la culture américaine, c'est vrai que c'est un jour où les gens prient, remercient Dieu. Et donc, God, c'est Dieu. Dieu se dit God. Donc voici, tu as 7 mots qui te permettent de comprendre quand se passe Thanksgiving, qu'est-ce que Thanksgiving, où est Thanksgiving. Et bien sûr, ça t'aide largement à avoir ce vocabulaire. Donc, je le rappelle, a public day, c'est un jour férié. Thanksgiving, c'est la reconnaissance. Thanks, merci. Give, donner. C'est le 4e jeudi du mois de novembre, donc ça bouge toujours. Cette année, c'est le 22nd of November. Ensuite, la Turkey, c'est la dinde. D'abord, on a avec Turkey, qui est la Turquie. Family gathering, réunion familiale, food, stuffed. On est bien plein, repu. Et God, Dieu. Voilà, voilà. Je te réinvite à cette conférence gratuite en ligne que je fais. Cette conférence pour tous les francophones qui désirent et qui souhaitent parler anglais avec fluidité, améliorer leur vocabulaire et surtout tenir une conversation simple. Tu cliques dans la description, tu as un lien et on se retrouve. Les places sont limitées, donc il faut faire attention ou faire vite. Et on se retrouve pour que tu puisses progresser en anglais, enfin, rapidement, naturellement. Je te souhaite a happy Thanksgiving. Have a lovely, lovely afternoon. Talk to you later. Bye bye.